Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Actu Geek Gaming. Ok, donc là j'ai un petit souci comme vous venez de le voir à l'écran. Mon bateau a coulé. Donc que faire dans cette situation? Bah, c'est un petit peu ce qu'on voulait vous montrer dans ce tuto Sea Office, ce nouveau tuto qui va vous montrer du coup comment je peux récupérer mon bateau une fois que ce dernier a coulé. Donc là, bah, je pourrais être en plein océan et m'être fait attaquer. Par exemple par des pirates ou par d'autres joueurs, et du coup mon bateau aurait coulé, ou alors je suis sur une île et puis bah du coup il m'arrive la même chose. Comment je fais moi pour continuer à jouer tout simplement? Parce que là j'ai plus de bateau, je suis sur une île, je suis totalement perdu. Qu'est-ce que je dois faire? Et ben c'est simple, vous avez voilà la sirène qui vient d'apparaître, donc là vous le fais vraiment en temps réel. Du coup bah, pour récupérer mon bateau en quelque sorte, j'ai qu'une seule chose à faire, c'est me diriger vers cette sirène. Donc sirène d'ailleurs qui peut être un triton, ça dépend, c'est soit l'un soit l'autre. Du coup vous vous approchez d'elle, c'est facile, vous l'entendez au loin et puis du coup vous voyez aussi avec la fumée où est-ce qu'elle se situe. Donc la voici, donc là j'ai plus qu'à lui parler, comme vous pouvez le voir, elle va me permettre de retourner sur mon navire. Donc ça va se faire presque immédiatement. Alors, le seul inconvénient de cette fonctionnalité, c'est que tout ce que vous aviez sur votre bateau est perdu. C'est-à-dire votre nourriture, vos planches, vos boulets de canon, et tous vos trésors, les gemmes, tout ce qu'il y avait sur votre bateau, tout est perdu. Vous ne pouvez même pas prendre la sirène avec un seul coffre en main. Non, non, vous perdez absolument tout. Donc, c'est pour ça que c'est vital de jamais faire couler son bateau, de faire en sorte de toujours bien le réparer, etc. Donc voilà, c'était la petite astuce qu'on voulait vous donner si jamais ça vous arrive, parce que malheureusement ça va vous arriver, que vous le vouliez ou non. Et donc du coup, bah voilà, c'est quand même bien de savoir qu'on peut du coup faire réapparaître son bateau. Donc là, coup du sort, ça m'a réenvoyé sur un avant-poste, c'est pas forcément toujours le cas, hein. Ça peut très bien m'envoyer sur une autre île, du coup avec le bateau. Donc là, du coup, moi, mon bateau est réapparu, il est juste ici, comme vous pouvez le voir. Et ben, vous allez voir que il sera impeccable, voilà, on vous le fera apparaître, et vous aussi avec, à un autre endroit de la map, et du coup vous pouvez repartir sur nos aventures. Malheureusement, si vous aviez des choses dessus, vous avez tout perdu. Donc vous voyez bien que les éléments cosmétiques, eux, perdurent, ceux-là ne disparaissent pas, et fort heureusement. Mais du coup, tout ce que j'avais dedans, voilà, j'ai tout perdu là, j'ai plus un seul coffre, j'ai plus une seule jet, j'ai le stockage par défaut de mes vivres, etc. Donc voilà, c'était la petite astuce pour vous expliquer comment faire pour récupérer votre bateau si jamais ça vous arrive de sombrer, tout simplement. Donc voilà, c'était plutôt simple. J'espère que cette vidéo vous a plu, et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant des likes, des commentaires, et surtout à partager la vidéo autour de vous pour donner l'astuce à d'autres personnes. Si la vidéo vous a plu également, n'hésitez pas à vous abonner. Ça ne coûte rien, et puis nous ça nous aide concrètement. Et puis on est aussi disponible sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à faire un tour sur notre Facebook, notre Twitter, donc c'est ActuGeekGaming, et sur notre site web ActuGeekGaming.com, où tous les jours nous écrivons des news et des tests pour vous. D'ici la prochaine vidéo, on vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée, et à très bientôt. Portez-vous bien, salut à tous.